J'essaye de voir si les LED font des stries. Un tout petit peu la gueule. Déjà que je suis pas aidée en ce moment. Un tout petit poilichon. Disons que ça va faire le taf. Ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 20 décembre 2022. On est là. On n'est pas là. Théo, pas là. Voilà. Et il est 22h26. Est-ce que mes douleurs globales vont mieux? Pas du tout. Voilà, au moins, Théo parfum. Pas du tout. Voire même que j'ai l'impression que dans la région du bas du dos, c'est encore pire. Bon, écoute, hein, c'est pas faux de prendre ce qu'il faut, mais à un moment, quand ça veut pas, ça veut pas. Ceci étant dit, je te prends parce que j'ai pris une décision. Attention. Attention à la décision. Toute mon interrogation réside dans le fait, Jenny, est-ce que tu pousses le ridicule quand même à tourner une vidéo pour expliquer le truc à la date où tu avais promis la vidéo? Ou est-ce que tu t'expliques là? Et ça me semble quand même tout à fait logique que je ne pousse quand même pas le ridicule jusque-là, même si j'en suis dotée naturellement. Il y a un moment où trop de ridicule peut quand même tuer le ridicule. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je vais vous faire un bref topo sur le sujet. Il y a 3 mois, j'ai donc promis une vidéo, j'avais pris la décision de tourner une vidéo dans 3 mois, c'est-à-dire là normalement fin de mois, fin décembre, en faisant un bilan perte de poids sur 3 mois. Et j'avais donc envisagé de commencer, j'avais même commencé ce qu'on appelle le déficit calorique, qui n'est en soi pas une méthode, étant donné que c'est plutôt une logique. Le but étant de consommer moins de calories que ce que demande ton taux métabolisme de base. Ce qui était plutôt simple quand on le dit comme ça. Maintenant, le déficit calorique, il a une petite variante et pas des moindres, qui est d'être au taquet dans les macronutriments pour essayer de faire les choses correctement. Et pour moi, c'est là que ça s'est un petit peu corsé. Au début, durant les 2 premières semaines, franchement, c'était pépère. Je m'aidais avec l'application LifeSum pour vraiment avoir les macronutriments. Et très vite, je me suis dit, ça va être chaud. Parce que j'arrivais pas à atteindre l'équilibre dans les 3 principaux macronutriments. Dans la foulée, chose qui n'était pas prévue, si je puis dire, c'est mon entrée en formation. Et ça m'a apporté une complication supplémentaire dans la mesure où le midi, j'avais pas d'endroit, on n'avait pas encore le droit de manger sur place. Et donc, je piochais un petit peu où je pouvais. C'était à base de sandwich Sodebo. Voilà, je faisais ce que je pouvais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne vais pas chercher à tourner autour du pot, t'inventer une excuse qui n'existe pas. Juste les histoires de calcul de macronutriments. Et ce, malgré l'application LifeSum, ça m'a gonflé. Ouais, je me suis dit, stop, c'est encore pire peut-être que de faire un décompte calories très simple ou alors peser ses aliments. C'est encore pire parce que ça vire à l'obsession. Est-ce que les protéines sont bien? Oui, mais là, il y a peut-être un peu trop de glucides et là, il faut rééquilibrer. Et à un moment, en fait, tu rentres dans une idée obsessionnelle de l'équilibre de tes macronutriments. Et c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas ce qu'il me faut parce qu'une fois de plus, c'est encore une façon de faire qui est pas loin de l'hyper-contrôle et c'est absolument ce que j'essaie de fuir. Bref, je vais pas te faire une dissertation littéraire sur quelque chose que je n'ai fait que 15 jours, 3 semaines. J'ai repris derrière un peu en faisant gaffe, en équilibrant comme je fais d'habitude, ce qui apparemment, ce que je fais permet de stabiliser, c'est-à-dire que je ne reprends pas de poids, mais par contre j'en perds pas. Mais il ne faut pas croire que quand on capitule ou on arrête une méthode ou une façon de faire, il ne faut pas croire, il y a des croyances ancrées comme ça, qui, bon nombre de personnes imaginent que quand on capitule sur quelque chose, une façon de faire, une méthode, un régime, un rééquilibrage alimentaire ou que sais-je encore, ça veut dire que derrière on va éclater la gueule à un frigo ou à un placard. C'est pas le cas, hein. C'est pas parce qu'une méthode ne te convient pas que derrière tu fais Pac-Man. Ça, faut aussi enlever ça des croyances qui sont bien, il y aurait tellement d'éducation et de rééducation à faire autour du gros. Autour du gros qui n'arrive pas à maigrir. Il y aurait tellement de choses à revoir, mais il y a trop de boulot. Il y a trop de boulot, alors il y a des créatrices de contenu qui défendent très bien tout ça et qui font valoir ces choses-là. Mais moi, je n'ai pas les épaules pour ça. Tout ce que je peux te dire, ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on s'affale sur le canapé H24. Et je suis même
à la limite l'opposé de ça. Je suis pas, très rarement je suis assise sur le canapé, je suis toujours plus ou moins en activité même si je suis dans la maison. Bref, je veux pas te faire de dessin à ce propos, mais je pense qu'il y a plein de choses à déconstruire rapport à l'obésité dans les gens qui ne sont pas concernés par ça, à ce que peuvent penser les personnes qui ne sont pas touchées par le surpoids, par l'obésité. Il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire, mais il y a un boulot phénoménal autour de ça. Bref, on va y arriver. Donc je réfléchis depuis quelques semaines à la question et j'essaie un peu de faire le point sur ce que j'avais fait, notamment le jeûne intermittent que j'avais fait et qui pour moi n'est pas du tout mon truc, dans la mesure où ça n'avait pas fonctionné. Alors je me sentais très bien, j'avais une très bonne énergie, par contre je perdais pas plus de poids que ça. Et j'avoue que me priver de mon petit déj le matin, ce n'est pas une chose envisageable. Et me priver de mon repas, même s'il est léger le soir, je pars souvent sur une laitue ou une soupe ou quelque chose comme ça, c'est pas une méthode qui me correspond. Je comprends qu'elle soit efficace pour certaines personnes, mais moi sur la durée je sais que ça marchera pas. En solution, en méthode, en tentative, dernière tentative, je vais t'expliquer après pourquoi je te parle de dernière tentative, mais j'ai quand même envie de réessayer avant de là totalement capituler, dire arrête, fais, puis on verra, voilà, reprends les choses normalement, arrête de te triturer, mais je veux quand même faire une dernière tentative d'une méthode qui avait très bien fonctionné il y a de cela, que je ne te raconte pas de bêtises, un an après le décès de mon père, où j'avais pris énormément de poids durant la maladie de mon père et j'avais perdu près de 30 kilos avec Weight Watchers. Je ne sais pas comment fonctionne Weight Watchers aujourd'hui. Moi à l'époque, nous étions encore sur Weight Watchers, était encore en pro point. Je n'ai aucune idée, je crois qu'il n'y a plus une histoire de points, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai très envie de tenter à nouveau Weight Watchers pour voir si ça pourrait m'amener vers tu vois le petit truc qui manque pour refaire partir la machine dans le sens opposé. J'ai très envie et ce sera, je le dis tout net ici, ce sera la dernière tentative de perte de poids que je fais. Après quoi, vaille que vaille, vraiment. Je ne parle pas que je m'accepterai comme je suis, mais je ferai avec ce que j'ai. Voilà, c'est un petit peu différent. Bien évidemment, tu te doutes que je vais laisser passer les fêtes parce que bon, réveillon plus réveillon. Même si je suis très partisane du fait de penser que à moins de manger sans discontinuer du 24 au soir au 31 au soir, mais c'est-à-dire que même s'il y a 2-3 kilos de repris et encore 2-3, ça me paraît énorme, je suis plus à ça près. mais objectivement, hein, vraiment très objectivement, je laisse passer les fêtes et je fais ma pesée au 1er janvier 2023. Ce à quoi tu dois t'attendre, en tout cas ce que tu es en mesure d'attendre de moi puisque je te le propose, c'est donc, je ne vais toujours pas t'en parler pendant ces 3 mois. Je garde mon idée du bilan perte de poids 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, en espérant pouvoir te faire le 6, 9 et 12. Mais même si ça ne fonctionne pas pour des raisons que là j'aurais du mal à visualiser, je te ferai quand même un premier bilan perte de poids 3 mois et je vais même te donner les dates maintenant, même si ça n'a pas marché, tu auras cette vidéo. Laisse-moi le temps de consulter le calendrier, que je vois un petit peu quand est-ce qu'on va se donner rendez-vous, et cette fois je te fais pas faux bond. Mars, donc tout mars, il faudrait qu'on puisse se donner rendez-vous début avril. Donc moi je te propose un bilan perte de poids 3 mois avec la méthode Weight Watchers au mercredi, ça me fait yèche, je vais te la mettre, il y a un vlog le dimanche, je vais te la mettre au mercredi 5 avril 2023, c'est noté ? Alors bien évidemment que le premier au matin, alors au matin tout est relatif parce que on va dans une soirée organisée et c'est peu con entre tard. En tout cas, avant d'ingérer quoi que ce soit quand je me lève, j'irai faire la pesée, je t'embarque avec moi et dans la foulée, j'irai prendre les visuels entiers et je ferai
des visuels vidéo, même si t'as l'air con à faire des visuels vidéo, mais c'est parce qu'au moins on pourra pas me reprocher, et oh, et on se sait, hein, on pourra pas me reprocher, ouais, mais tes photos, elles sont retouchées, parce que si vous savez retoucher des vidéos, tant mieux pour vous, mais moi je sais pas faire, hein, moi mon logiciel Movavi ne me permet pas de remodeler corps et visage et tout ça, moi je sais pas faire, donc au moins qu'une photo, c'est un peu plus facile d'essayer de remodeler un peu la carcasse. Là, je ferai des photos et je ferai les vidéos comme ça. Au moins, il y aura de tout. Et puis, il y aura le bilan 3 mois, voir où on en est. Je prendrai une photo au 1er janvier et je prendrai photo, enfin photo vidéo et je prendrai photo vidéo au 1er avril. Ensuite, je tournerai le bilan et tu verras par toi-même où ça en est. Est-ce qu'on a avancé, enfin est-ce que j'ai avancé ou pas? Je ne puis guère te proposer mieux. C'est la dernière tentative parce que j'ai fait le tour déjà. On va se dire des vérités. J'ai fait le tour des méthodes possibles pour moi. La seule qui. Il y en a deux qui ont fonctionné. C'est ma nutritionniste. Et c'est Weight Watchers. Alors, ma nutritionniste, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle rajeunit pas. Parce qu'elle fait beaucoup maintenant de propositions en visio. Et moi, c'est pas comme ça que je conçois. Donc, avoir des consultations en visio, pardon, mais je préfère partir avec Weight Watchers. Et puis, oui, c'est une méthode qui est payante, mais à un moment, ce sera aussi mon dernier essai. Avant de capituler, avant de dire stop, ça y est, t'arrives sur 45 ans, ça y est. T'as 45 ans depuis 17 ans. Oh, je suis un petit peu mytho. Oui, c'est ça. Depuis 17, 18 ans, tu te bats avec les régimes. À un moment, faut admettre que tu n'y arriveras pas. Voilà. Pour qui, pourquoi j'y arrive pas, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses un peu plus fondamentales, mais je me donne 3 mois et puis après, j'arrête de me battre. J'arrête de me battre. Est-ce que je vais bien le vivre d'arrêter de me battre? Oui. Oui et non, oui, dans la mesure où là c'est moi qui prends la décision de dire stop. À un moment quand tu as fait tout le tour des méthodes qui ne sont pas dangereuses, hein, parce que oh bah, oui, à côté de ça, les cures qu'on te vend à tout va sur internet et compagnie, allez bien, bien, bien vous faire visiter le séant. Mais dans les méthodes qui sont dites équilibrées et pas dangereuses, j'aurais fait le tour. Quoi de plus? Soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et je voulais t'en faire part parce que quand même, je t'ai embarqué là-dedans. Et quoi qu'il se passe pour la vidéo prévue pour le 5 avril, quoi qu'il se passe, perte ou pas, on se fait un point quand même de la poursuite ou de l'arrêt et de vous dire, ça y est, je mets fin à un combat de tant d'années. Voilà, quoique j'étais plutôt partie dans l'optique depuis quelques temps d'accompagnement et pas de combat, pas de me fighter avec moi, de m'accompagner, de faire un peu de bien à mon corps. Et je crois qu'avec Weight Watchers, ça pourrait le faire, je crois. C'est tout. C'est assez simple et assez clair à comprendre, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai encore la motivation d'essayer encore. J'ai encore la motivation, ça me motive beaucoup. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, après les fêtes. One season later. Bonjour mon petit cadet. Nous sommes, voilà, il y a une faille spatio-temporelle, hein. Nous sommes le vendredi 23 décembre 2022. Je suis pas de la team achat dernière minute, mais là aujourd'hui je descends à nouveau sur Rouen parce que j'ai repéré un truc et je vais le chercher. Mais alors là, faut vraiment aimer les gens pour descendre, entre guillemets ma fille, pour descendre parce que c'est ce temps. Bon, je t'ai pas beaucoup pris ces derniers temps parce que tu te doutes que je suis en plein dans les préparatifs et tu sais comme je suis toquée. Eh ben, je veux que tout soit très très bien, même si tout ne sera pas parfait. Mais en tout cas, j'aurais fait pour le mieux. Donc c'est vrai que je prends pas le temps de... J'ai pas pris spécialement le temps de vlogger. Et hier, je suis descendue sur Rouen, j'aurais pu. Il y a tellement de monde sur Rouen que c'est limite impossible de sortir comme ça l'appareil et puis de te parler en détente parce que bah,
une fois de plus, les gens te regardent de travers, quoi. L'humeur est pas trop... Après, il y a un côté que je peux entendre, mais globalement, je te disais hier, je suis allée sur Rouen, l'humeur, elle est pas trop au fait. Hein. Tu sens que les gens... Esprit, magie de Noël, dans ton fenu, hein, vraiment. Moi, j'essaie de cantonner ça, tu vois, de me dire, de cantonner ça chez moi et de passer un bon moment. Je sais que l'humeur, on est toujours dans une sorte de morosité ambiante et une fois de plus, hein, ce serait mentir que te dire que je peux pas l'entendre, mais j'essaie quand même, enfin, le 24 au soir, on est en famille, on va essayer quand même de passer un moment joyeux, un moment heureux parce qu'on sait pas à quelle sauce on va être mangé pour les mois à venir et que bah, ça fait une petite pause. Ça fait une petite pause, ça fait un peu de bien et là ça pleut. Ah bah on est très content. On est très content d'aller à Rouen de ce fabuleux temps. Voilà, voilà. Le superbe cadrage oblige parce que je suis dans le bus puis qu'il y a un petit peu de monde. Hein. C'est pas trop blindé. Déjà j'ai une place assise pour ma nuque, mes épaules et mon dos. C'est déjà une très très bonne chose. Là je rejoins ma soeur à Rouen. Qui va aussi compléter ses emplettes. Oh, bah là, qu'est-ce que c'est ce freinage? Tu m'étonnes qu'on soit cabossé en 8 quand on prend les bus. Tu m'étonnes. Et en ce qui concerne Noël, alors si t'es là depuis longtemps, t'es au courant. Si tu viens d'arriver, nous en fait, on se fait pas de cadeaux entre adultes. Bien que les enfants soient adultes, mais on fait des cadeaux aux enfants. Alors tu me diras, je suis l'enfant de ma mère, ma soeur est l'enfant de ma mère. Mais on fait des cadeaux aux derniers enfants. Par exemple, quand ma fille aura des enfants, bah, Terminado Pipo, ce sera les... C'est pas gagné hein, que ma fille ait des enfants, parce que c'est le cadet de ses soucis, et ça la regarde au demeurant. Enfin, t'as compris un peu l'idée, et ça fait des années qu'on fait comme ça, et tout le monde s'y retrouve, parce que à un moment, entre adultes, les idées cadeaux, tout le monde a tout... des choses qu'on peut faire soi-même, bref, voilà. Nous, on fonctionne très bien comme ça. Ce qui fait, par conséquent, qu'on a un budget quand même très sympathique pour les enfants, d'autant que cette année, on n'a que Samantha. Donc, autant te dire que ça s'est lâché un peu le fond de slop. Pour sûr que le marché de Noël de ce temps-là, ça n'a pas la même saveur. Marché de Noël en automne, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu penses? C'est laid. Non, sérieusement. Dans la... C'est pas très beau. Hein. Bah, ce qu'il y a, ils ont même pas décoré les sapins, c'est con. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. On est quand même radin à Rouen. Bah, tu sais, le maire de Rouen, il est dans la sobriété énergétique, ah bah, mais là, il est dans la sobriété de tout, en fait. Pas de la boule. Ouais, non, il est triste, le marché de Noël de Rouen, cette année, je trouve. Bon, une pause sans pause. Ma sœur, au coca, partie faire pipi. Et moi, forcément, est la hora del café. Oh, la pluie, le temps. Incroyable. Incroyable, ce temps. Bon, mes petits cadets, les derniers achats sont faits, suite et fin. Et il fait tellement bon. Alors, OK, la pluie, elle est dégueulasse, mais il fait tellement bon que j'en ai viré le manteau, quoi. C'est quoi, ce temps pour Noël? Là, je suis en pull et je suis très, très bien. Mon petit cadet, je ne suis pas... J'ai la bouche... sèche comme une râpe à fromage. Je ne suis pas mécontente de cette fin d'épopée rouennaise parce qu'aujourd'hui on avait atteint un point de non-retour. Merci aux fleurs de Bac de m'aider à me zénifier. D'ailleurs, en parlant de fleurs de Bac, je ne t'en parle pas là tout de suite, mais dans mon bilan de l'année, je vais faire un journal de l'année, je te parlerai de ça. Plus en profondeur, plus en détail, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Et donc, ça se fera par le biais de très bientôt, avant janvier, fin décembre, toute fin décembre, dans le journal de l'année. Ceci étant dit, je vais pas te montrer les achats qui ne sont pas pour moi, parce que comme tous les ans, je le fais jamais, donc je le ferai pas non plus cette année. Je ne montre pas les cadeaux, d'une part, parce que même si c'est moi et ma famille qui achetons, ce ne sont pas mes cadeaux. Premièrement. Deuxièmement, j'ai un peu de mal, et ça je te répète ça tous les ans depuis 10 ans, j'ai un peu de mal avec l'étalage des cadeaux parce que je me dis qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je me dis aussi qu'on ne prépare pas tous et toutes Noël de la même façon. Moi, Noël, d'un point de vue purement finance, je prépare ça toute l'année pour être au taquet
pour le mois de décembre et pour avoir un budget où je suis assez à l'aise et qui n'impacte pas mon budget à moi pour vivre au quotidien. Et en plus, tous les cashbacks que j'ai cumulés sur les sites tels que Igraal ou Poulpeo, je récupère début décembre. Comme ça, bah, tous les ans, ce sont des sommes qui sont allouées pour ça. À savoir quand même que tout confondu, que ce soit par Igraal ou par Poulpeo, j'ai décaissé au total 381 euros. Ce qui, ma foi, voilà, on fait les petits achats. Je pense à faire et le cashback, notamment avec Poulpeo, le cashback en magasin et sur les sites. Bien entendu, il y a les petites commissions quand vous passez par mes liens qui sont en barre d'infos qui me rapportent aussi. Et il y a mes achats à moi. Et je crois que ma sœur passe aussi par mon lien, je crois. Bref, voilà, j'ai décaissé au total 381 euros. Et puis je pense, hein, parce que je ne détiens pas la vérité absolue, mais je pense que là, dans l'ère actuelle, dans le comment ça va tourner, je pense que c'est plutôt pas mal de procéder comme ça quand on peut. Évidemment, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas tous les mois mettre un peu de côté, faire des choses comme ça pour essayer d'être un peu plus à l'aise aux périodes de fête. Donc l'étalage de cadeaux, ce que va avoir ma fille, à vrai dire, ça n'a rien à foutre sur YouTube parce que ma fille n'a pas de chaîne YouTube et que ça n'a rien à faire sur YouTube. Voilà, je pourrais, parce que je pense que quelques-uns d'entre vous y verraient un intérêt quelconque, mais il y a aussi cette partie qui verrait le truc pour dire ben, dis donc. On le sait, voilà, on le sait, c'est pas de la paranoïa, ça existe. Il y en a qui vont même établir le ticket de caisse, c'est du vécu. de tout ce qu'ils peuvent voir sur l'image, et bah ça, voilà, je l'ai eu le décompte, je l'ai eu. C'est incroyable ça, mais je l'ai eu. Donc non, et puis de toute façon, ce ne sont pas mes cadeaux. Nous, entre adultes, on ne s'en fait pas, donc il n'y a pas de raison. J'ai profité d'être en agglomération rouennaise pour... Bon, et oh, voilà. La Vie Claire. Puisque la dernière fois, je suis passée chez La Vie Claire, qui est à côté de chez moi, au Ménilénard. Il n'y en avait plus qu'un au niveau des stocks. De, bien évidemment, tu te doutes, si je passe chez La Vie Claire, c'est pour refaire le stock de Medimix. Sachant que là, bah, j'ai pris le stock qui était en rayon, qui a eu le don de faire rire la personne qui était à la caisse, le jeune homme qui était en caisse, puisqu'il y en avait 5. Et j'ai pris les 5 parce que je lui ai dit, c'est tellement une denrée rare, le Medimix, je veux dire, en boutique physique, parce que j'ai pas envie de passer commande, j'ai envie d'avoir mes savons, que bah, quand il y en a, bah, je prends tout. Bah, il me dit, bah, vous avez raison, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Sachant que je me pose une question. Alors, une question intelligente ou pas, là n'est pas la question. Mais la véritable question, c'est comment cela se fait-il que tout, absolument tout, a augmenté, mais tout, hein, même des trucs où tu sais pas pourquoi ça a augmenté, mais ça a augmenté, mais eux, ils bougent pas. Ils ont pas augmenté du tout. Comment ça se fait? Ça va, on peut se laver sans se prendre les augmentations sur le coin du cornet. Après, je te cache pas que... À part les coffrets rituels où je m'octroie les mousses de douche qui sont d'un point de vue sensoriel tout à fait exceptionnel, mais j'arrête les à côté. J'étais très tentée par le gel douche à la banane de chez Action. Une catastrophe ce gel douche, je t'en parlerai dans mon retour sur produit. Ce gel douche est une catastrophe, ça m'a littéralement asséché la peau du cornet et tout ce qui va avec. Et autre achat du jour pour ma grosse pomme. Alors là ça va être... compliqué de te montrer correctement. Hop, voilà, achat du jour. Je cherche chez ça depuis, c'est un achat neuf, mais une croix dans le calendrier, c'est un achat neuf puisque je consomme essentiellement seconde main, mais je n'ai rien trouvé en seconde main qui soit et dans cette couleur un peu moutarde, beige, camel, un peu comme ça, tu sais, qui... Ouais, il est un peu plus foncé que mon pull, hein. On est plus dans le camel que le beige ici. En gilet long, et qui n'est pas de bouton. Je voulais vraiment un gilet, tu sais, par-dessus. Et je l'ai donc trouvé chez Zeman pour la petite somme de 21,99 €. Alors, est-ce que je peux te faire voir? Peut-être si je me lève. La chaise, elle va me faire chier. Hop, voilà, au niveau... Tu verras rien, hein. Au niveau du gilet, hop, tu vois, tu verras rien, mais c'est pas grave. C'est un gilet...
Là, ça fait très serpillière comme ça, qui est en taille 48. En taille 48, parce que je voulais pas être serrée comme un kiki. Et je te cache pas que s'il y avait eu... si j'étais tombée sur une taille 50, je prenais une taille 50. Parce que quand même, si t'es serrée comme un kiki dans ce genre de gilet, ça le fait pas. Et si ça se trouve, je vais être serrée comme un kiki, hein, parce que je l'ai pas essayé, tu te doutes. Je vais le mettre en machine sur un petit programme laine des familles, le mettre à sécher cette nuit sur les tentes, et demain, écoute, il se peut qu'avec une petite tenue en dessous, je mette ça. Après, sans transition aucune, je voulais te faire part d'une discussion avec ma soeur. On a beaucoup, beaucoup parlé. Hier, on a passé plus d'une heure au téléphone, et aujourd'hui, on a beaucoup discuté. Ma soeur, tu le sais, hein, elle a fait deux séances d'hypnose, une première et une de renfort, ok, deux séances d'hypnose, et elle a donc arrêté, enfin, elle n'a plus jamais touché une clope, ça la dégoûte. Tout à l'heure, on s'est mis en terrasse, il y avait une personne qui fumait pas loin, et ça la dérange vraiment beaucoup, il y a un écœurement, c'est assez hallucinant, il y a un écœurement total de la cigarette, de l'odeur, il y a vraiment un écœurement total. Par contre, ce que ça induit, c'est que, et pour ma soeur, sache que c'est plus un drame que moi, enfin, je vais rentrer un petit peu dans le détail là, sans rentrer dans les détails pour elle, mais en tout cas pour moi, ma soeur, c'est très pénible pour elle puisqu'elle a eu une petite prise de poids. Selon moi, c'est une petite prise de poids. Selon elle, elle se trouve difforme, dégueulasse. Elle en peut plus de ce corps. Elle veut retrouver son corps. Elle veut, j'ai essayé de lui dire, et je trouve ça très vrai, et j'ai pas dit ces mots là parce que c'est ma soeur et je veux la réconforter, je comprends complètement, je suis tellement bien placée pour comprendre qu'à un moment on se sente pas bien dans le corps dans lequel on évolue, c'est à dire que moi je vis ça depuis toujours, donc forcément je ne peux que comprendre. Et on a discuté là dessus elle me disait, c'est vrai qu'au début je me suis vue prendre du poids, j'ai toujours été très consciente mais je me cachais derrière l'humour. Et elle me dit, là, ça fait six mois que j'ai arrêté de fumer. Ça fait 3 mois que je me vois en prise de poids assez régulière. Et elle me dit, là, maintenant, j'en suis arrivée à un stade où ça ne me fait plus rire. Et où j'arrive plus à cacher cette prise de poids derrière un humour. Et je lui ai dit, dans ton malheur, la chance que tu as, c'est déjà d'avoir dégagé la clope. Parce que bon, hein, c'est quand même pas rien. Au bout de X années, en clopant bien... Et je lui dis, dans ton malheur, c'est que le fait que ça ne te fasse plus rire du tout arrive plutôt très tôt. Je lui ai fait comprendre que moi, je me suis toujours cachée, j'ai caché mon poids, mes kilos en trop, je me suis barricadée derrière le fait de le prendre avec humour, et finalement, tu te barricades tellement bien que tu n'arrives pas à rien. Je lui ai dit, c'est bien que tu t'en rendes compte là, parce qu'elle, elle m'a dit, au taquet, là, je laisse passer les fêtes, et après, il faut que ça revienne comme c'était. Elle est hyper motivée. Et donc, on a échangé. Je lui ai dit, moi, c'est pareil. Là, je vais essayer une ultime... Je lui ai expliqué ce que je t'explique au début de ce vlog. Et elle m'a dit, mais Nini, on n'a qu'à le faire ensemble. Elle me dit, moi, Wet Watcher, je suis plutôt très, très OP. Je connais pas. Je vais m'inscrire. Je vais voir un peu comment... moi, je connais un peu, bien que je suppose que depuis quelques temps, ça a dû changer. Mais elle me dit, vas-y, Nini, viens. On le fait ensemble. On va se motiver toutes les deux. Merveilleux. Tu peux pas t'imaginer à quel point ça m'a mis un méchant coup de pied dans le bon sens, à la motivation, à l'envie de. Tu vois, sans être dans la compétition, parce que je ne serai jamais dans la compétition avec ma sœur, mais justement, non, à se renforcer un petit peu toutes les deux, à se soutenir. Et voilà, t'inquiète, machin, on est là, t'as fait quoi en sport aujourd'hui, t'as fait... je vais lui passer mon tapis de course, parce que moi, je n'y arrive pas. Faire du tapis de course toute seule dans ma maison, j'y arrive pas. Par contre, je vais reprendre les Smiths sur mon écran jusqu'au mois de mars. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'engagement avec les Smiths, tu sais, les Smiths on demand. Il n'y a pas d'engagement parce que nous, après, on a un complexe de piscine, je te l'ai déjà dit. Mais on a un complexe aquatique qui va ouvrir ici à 5 minutes de chez moi, qui va être du tonnerre. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire là-bas, sachant que moi, déjà, de base, sans parler de sport à proprement dit aquatique, moi, faire des longueurs, la brasse, le crawl, machin, c'est mon délire total. Et on va un petit peu s'encourager, se soutenir, faire le chemin ensemble. Elle a beaucoup moins de poids que moi à perdre, c'est une évidence. Mais voilà, je pense que c'est vraiment
une chouette idée, sincèrement. Même si je prends le truc, il y a 3 mois, je t'ai dit, on se donne rendez-vous dans 3 mois, c'est un rendez-vous, c'est un échec, hein, puisqu'on se donne pas vraiment rendez-vous dans 3 mois pour un bilan perte de poids. Mais pour autant, je désarme pas. Pour autant, je désarme pas. Et rien que ça, dans l'idée de continuer à faire en sorte d'accompagner mon corps à être en meilleure santé, parce que tu le sais, hein, moi, bon, ok. Après, pouvoir s'habiller avec des vêtements peut-être moins amples que les vêtements, parce que là, bon, une fois de plus, hein, je me cache derrière mes vêtements. Je le vis pas mal pour autant. Ça me fait du bien de me cacher. Et j'ai l'impression de me fondre dans la masse. C'est qu'une impression, je le sais. Mais pour l'instant, je fais, on va dire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Je le vis pas mal. Je suis pas malheureuse de cette situation. Par contre, je pense, déjà d'un point de vue santé, si j'arrivais vraiment à faire quelque chose, déjà ne serait-ce que dégager 10 bons kilos. Alors c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que j'ai à perdre, mais ce sera un début. Le fait de le faire avec ma soeur, ça me motive encore plus que ce que je suis déjà motivée, parce que tu peux penser, ouais c'est bon l'autre, Anoutan avec ses pertes de poids, ses régimes depuis la nuit des temps, mais oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais est-ce que je démotive pour autant? Non, et c'est ça, quelque part, auto-lançage de fleurs, mais c'est ça qui est formidable. Combien de personnes, c'est ce que je me dis parfois quand je lâcherai bien la rampe, je me dis, mais combien de personnes, après autant d'essais, autant d'années, combien de personnes auraient déjà lâché la rampe en disant, c'est bon, allez, je vais m'accepter comme je suis, et puis c'est très bien, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Voilà, combien de personnes seraient parties dans ce chemin-là? Moi, je m'accroche encore. Je m'accroche encore, ça ne me rend pas malheureuse. Je le vois, en plus, je l'ai senti dans l'échange, dans la discussion qu'on a eue avec ma sœur. Quand je vois, elle, que ça la rend malheureuse, je me dis, finalement, t'as quand même de la chance dans ta situation. C'est que, oui, mon corps me limite, dans certaines choses. Mais mine de rien, il est pas, mon corps, il n'est pas si rancunier que ça. Hein, parce que s'il voulait, hein, m'en ferait voir des vertes et des pas mûres. C'est pour ça que là, j'ai la double motivation, parce que j'ai encore envie d'essayer une ultime alternative. Je doublais d'une motivation de le faire avec ma soeur. Et puis parce que je me dis... pour l'instant, ton corps te l'a pas encore fait payer. Alors certes, j'ai des douleurs d'un peu partout. Moi, je suis en situation d'obésité, hein. Faut bien poser les choses. Peut-être que même je vais pouvoir perdre du poids et continuer à avoir des douleurs un peu... Puis je rajeunis pas aussi. Mais il y a des moments, tu vois, quand je marche, quand j'ai des grandes marches, quand je... Il y a des petits pinçages de bas de dos où je me dis, putain, ça c'est le poids. Je suis pas médecin, j'extrapole peut-être. Mais je pense que quoi qu'il en soit, une grande surcharge pondérale n'aide pas pour la carcasse. La vraie différence aussi, en tout cas notable pour moi, après c'est vrai que je vous partage ce que je veux bien vous partager, je vous partage des instants de ma vie, mais ça ne reste que des instants, mais c'est que je m'acharne plus. En fait, quand je vois que ça va pas prendre, ou que ça va me gonfler, ou que ça va pas le faire, j'arrête. Par exemple, avec le déficit calorique, très vite... j'ai vu que ce serait difficilement gérable, et en mangeant à l'extérieur tous les jours au niveau du calcul des macronutriments, et sans rentrer dans des explications vaseuses, ça m'a gonflé, point. Macronutriments, j'arrivais pas à faire les équilibres, ça m'a gonflé, point. Je me suis pas acharnée. Ce que j'aurais fait avant, voilà, avant, je me serais acharnée jusqu'au dégoût. Et il est bien là le problème, c'est que là je me suis pas acharnée, il n'y a pas eu de dégoût, et derrière j'ai plus rien calculé sur les macronutriments, mais par contre j'ai pas fait le Pac-Man pour autant, voilà. Il faut, je te le disais, pareil, c'est des propos que j'ai eu en début de vlog, mais il faut déconstruire les idées reçues comme ça par rapport au gros, par rapport aux gens en situation de surpoids ou d'obésité. C'est pas parce qu'on est dans ces situations-là qu'on bouffe comme 10, qu'on est affalé sur un canapé toute la journée en mangeant paquet de chips sur paquet de chips. Va falloir un petit peu arrêter avec ces conneries-là, en fait, au bout d'un moment. Va falloir un petit peu qu'on foute la paix. La grossophobie, faut plus, en fait, faut arrêter ça. Faut arrêter vite ça, parce que ça ne fait plaisir à personne. Le grossophobe regarde du gros alors qu'il peut pas saquer le gros. Pourquoi? Et celui ou celle qui est victime de grossophobie, en fait, ça lui fait du mal. Que vous ne puissiez pas saquer une personne parce que vous la trouvez trop grosse pour votre œil, ça reste votre œil. Gardez ça pour vous. Ça n'apportera rien à personne, ni pour
l'auteur des propos ni pour celle qui les reçoit, ça n'apportera rien de bon, quoi qu'il en soit. Je pense que sur la sphère virtuelle, il y a quand même assez de personnes qui ne sont pas en situation de surpoids, en situation d'obésité, que vous pouvez regarder sans vous arracher les yeux. Ça reste peu de personnes, mais quand même, ce peu de personnes aiment piquer, ça faut arrêter. Faites-vous soigner. Faites-vous soigner parce que vous projetez un problème, c'est vos craintes en fait que vous projetez sur l'autre. C'est vos craintes uniquement, la peur de grossir, la peur d'être gros, la peur... Mais foutez la paix, on fait comme on peut. Faut vraiment songer à arrêter avec ça. C'est bon, stop, ça y est, on a assez rigolé, la plaisanterie. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, stop. C'est assez impressionnant parce qu'il y a une certaine forme de masochisme qui est très étrange dans l'œil de la grosse que je suis. Parce que par exemple, alors sur un dossier complètement autre, mais quand même, je suis arachnophobe. Les araignées, je peux pas me les saquer. Mais je peux pas me les saquer même en dessin. Si je vois une story où il y a une araignée, j'ai même du mal à toucher le téléphone. Ça va jusque là. Est-ce que je m'enfile des reportages sur les mygales ou les tarentules à longueur de journée? Je comprends pas. Sauf qu'à défaut de mygales ou quoi qu'est-ce, la grossophobie, ça concerne des personnes, vos semblables, un peu plus volumineux, mais c'est quand même vos semblables. Faudrait voir à faire aussi la différence. Je crois, dans le dernier vlog, je te disais, YouTube a pris un virage que j'ai pas dû prendre, moi. Mais je pense, en tout cas, je généralise pas. Hein. Vraiment, je ne généralise pas. Et c'est plus un ressenti un peu global, sans mettre tout le monde dans le même panier, j'en suis pas là. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine perte de bon sens, que ça manque un tout petit peu de discernement. Enfin, un moment avant de dire quelque chose à quelqu'un ou de penser, d'imaginer qu'on a la pensée unique, c'est bateau, mais est-ce qu'on se dit pas un petit peu, attends, et là je vais lui dire ça, est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Est-ce que ça va faire que ça va changer les choses? Est-ce que ça va pas juste la blesser finalement? Ah non, il y en a, ils sont en roue libre. Hein. Il y en a, ils sont en roue libre, mais d'une force. Pour moi, c'est gratuit, ça n'a aucune excuse. Ça part pas d'une bienveillance. Faut arrêter avec ça. Oui, mais je te disais ça parce que c'est pas bienveillant. Arrêtez avec cette bienveillance qui n'existe pas. Ça ne part pas d'une bienveillance, c'est pas possible. Tu peux pas dire à quelqu'un, dis, t'as pas un peu grossi? Je trouve que t'as un peu grossi. Et que ce soit bienveillant, c'est pas possible. Ça ne peut pas être bienveillant. Et je précise, hein, j'essaye de revenir à l'époque où j'avais les commentaires activés. Vous êtes très très peu nombreux ici. C'est bien ça qui est dommage parce que vous êtes très très peu nombreux à penser comme ça. Voire certaines personnes sont aussi dans ma situation pondérale. Ça ne reste que quelques personnes, on se demande. Qu'est-ce qui va pas avec ces personnes-là? Ça ne reste vraiment que quelques personnes, mais quand c'est votre cheval de bataille, bah quand on pique là-dessus, ça pique vraiment. Ce que j'essaie de te dire pour globaliser un peu tout ça et pour mettre fin à cette longue discussion, c'est qu'on vit vraiment à une époque où on partage beaucoup de choses, où on a un avis, tout le monde a un avis sur tout et tout le temps. C'est humain. Moi, la première, j'ai un avis sur plein de choses, j'ai des avis sur plein de personnes, j'ai des avis sur des façons de faire, mais est-ce que pour autant, ça m'autorise, sous prétexte que j'ai un avis sur ça, ça, telle ou telle personne, ça m'autorise à le dire? Non, parce qu'il y a des choses, je suis désolée, mais il y a des choses, bah, tu le gardes pour toi. Voilà. T'as le droit d'avoir un avis, mais est-ce que t'as le droit de tout balancer? Parce que, bah, moi, je suis franche et honnête. L'honnêteté et la franchise, ça ne doit pas tout excusé. Et je parle énormément en connaissance de cause parce que j'ai pu, je crois, à une époque, peut-être blesser l'autre dans le fait de choisir de dire. Ça veut pas dire faire l'effet inverse, ça veut pas dire devenir hypocrite et sucer tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, viens là que je te lèche la poire. C'est pas ça non plus, faut pas passer... Les extrêmes, je te dis, c'est jamais terrible. Hein. La franchise, l'honnêteté, je dis tout parce que non, ça ne doit pas excuser de blesser l'autre, de faire pleurer l'autre, de faire du mal à l'autre. Ça n'existe pas en fait. Le pire, non mais le pire du pire, c'est quand tu reçois, et je parle aussi d'expérience, ce genre de message, de commentaire, et que tu dis mais, enfin, de quoi il s'agit en fait? C'est ton problème ou... Ouais, mais je disais pas ça méchamment. Arrêtez aussi avec ça, s'il vous plaît.
Arrêtez avec les, je disais pas ça méchamment. Tu peux pas dire à quelqu'un qu'elle est habillée comme un sac poubelle, que son manteau lui donne des airs de mascotte Michelin, et dire je disais pas ça méchamment. Tu ne peux pas faire ça. Arrête! La YouTube Words, étant donné qu'on a bien passé les minuit, qu'il est 3h du matin ici, c'est ça. Joyeux Noël, on est le 25, joyeux Noël. Petit topo, bref topo, enfin bref, tout est relatif sur cette journée, cette préparation de soirée de réveillon et ce réveillon. C'était très intense en tout point, je suis rincée. Je suis rincée parce que intense en termes de préparatifs, tu sais, pour que tout soit correct. Je vais pas dire que tout soit parfait parce que rien n'est jamais parfait, je pense. Mais enfin, que tout soit correct en temps et en heure. Et intense aussi très, très fort en émotion au moment, bon, bah, tu sais, le passage à minuit quand il manque des personnes, une personne autour de la table et puis l'ouverture des cadeaux qui fut à un moment, En termes d'intensité émotionnelle, là on... Ah ben on m'a perdu en cours de route, hein. On m'a très clairement perdu. C'était une belle soirée, c'était une très très belle soirée qui nous a fait du bien à tous, parce que faut dire qu'on sort, ce qui promet pas une année 2023 meilleure, hein, mais on sort en tout cas d'une année 2022 qui fut quelque peu merdique. On a encore une semaine à tirer avant de nous-mêmes tirer un trait sur 2022, mais c'est vrai que pour nous, familialement parlant, 2022, ça a été un petit peu, tout petit peu dégueulasse. Donc, nous ne sommes pas tous autant que nous ne sommes pas mécontents de voir 2022 se faire la malle. Il y a absolument, dans la partie haute de mon corps, il n'y a absolument aucune partie qui n'est épargnée par cette espèce de courbature. Ça part du haut de la nuque, de la base du cou, ça descend dans les épaules, ça descend... Vraiment, ça allait mieux. Hein. Et puis là, bah, aujourd'hui, ça a été avec le temps de merde et les chiens et compagnie. Dès que ça rentre de l'extérieur, c'est une angoisse. T'as beau essuyer les pattes, mais mon jardin, il est tellement mort de chez mort que bah, c'est une. Voilà, faut passer un coup à chaque fois pour essayer d'évoluer quand même dans une maison propre. Et là, je suis rincée en fait. Ça y est, les turbines ont lâché. Là, j'ai mal partout. Robocop. On était en petit comité, hein. On était 6 et en même temps, j'ai très envie de te dire que j'aurais pas pu en caser 2 de plus. Hein. À un moment, t'as beau faire de la place, t'as beau réagencer, aménager, mais tu ajoutes pas des mètres carrés imaginaires. Donc, j'aurais pas pu ajouter 2 personnes de plus en affiché complet. D'autant que ma table, là, c'était vraiment de la table bricolette, si je puis dire. Là, je vais vraiment essayer de voir dans les mois, dans un très court terme, pour investir dans une vraie table avec une rallonge quand je veux faire des choses comme ça, pour pouvoir inviter sans me prendre la tête à bricoler des tables à la con. Ça n'a aucun sens, mais si vous avez vu, Eddie vous a fait un petit coucou. Forcément, Eddie était avec nous ce soir, étant donné qu'Eddie n'est toujours pas sollicité par ses proches. Il est absolument, pour ma part, inenvisageable de laisser mon meilleur pote tout seul le soir de Noël. Enfin, c'est pas possible, c'est humainement, en tout cas, pas possible pour moi et pour ma famille. Puisqu'à l'époque, c'est quand même ma famille qui a fait la démarche de l'inviter quand même, mes parents, de l'inviter chez eux. C'était hyper sympathique. Au début, tout le monde est arrivé. J'avais mis un peu des musiques, une playlist de Noël sur Spotify. Et ensuite, on a lancé, alors pour nous, c'est culte, hein, pour vous, ça peut vous dépasser, mais on a lancé forcément Le Père Noël est une ordure ce soir. Et c'est l'un des films préférés de ma sœur. Et ma sœur, elle était éclatée de rire pendant tout le long. Ça nous a, parce qu'on a beaucoup d'expressions, ma sœur et moi, qui sont tirées de ce film-là.
ou Des bronzés font du ski. Pour nous, ça fait partie des films cultes. Et là, ce soir, on a lancé Le Père Noël est une ordure et tout le monde s'est poilé. Ce qui n'a pas empêché, on a lancé ça sur la télé, mais ce qui ne nous a pas empêché de discuter et tout, c'était un chouette moment. C'était un très chouette moment. Après, il y a eu forcément, je pense, un peu pour tous, c'est la petite difficulté du passage, du passage à minuit. Il y a la pensée, puis c'est toujours ce petit instant de lucidité qui, même si j'ai beaucoup avancé sur Noël, sur la déco, ça fait 2 années de suite que je fais un sapin, alors que ça faisait pas mal de temps que je faisais plus rien. J'avance petit peu, pas par pas, petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce passage, voilà, c'est 4-5 minutes, hein, ça dure pas longtemps, mais ça semble quand même une éternité quand tu le vis, où là tu te dis merde, putain, il aurait aimé ce moment-là, il aurait vraiment aimé ce moment-là, parce que Noël, la magie de Noël, l'esprit de Noël, c'était mon père, hein, donc évidemment que c'est dans ces instants-là, où c'est un peu plus difficile. Après, il y a une petite satisfaction, c'est que c'est vrai que depuis quelques jours, je me casse un peu le fenu pour que tout le monde soit un peu à l'aise, pour que, en plus des personnes présentes, que les chiens puissent aller et venir, Ruby et Luna, aller et venir en étant à l'aise et pas en ayant un passage comme ça. C'est quand même des chiens qui s'imposent. Et quand ma sœur et mon beau-frère sont arrivés, ils ont vu la fenêtre. « Oh, c'est beau, c'est joli, t'as bien fait, c'est mieux comme ça. » Ou t'as les compliments un peu du réagencement, si minime soit-il, qui a été fait, ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien, parce que c'est vrai que... c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis un petit peu emmerdée avec tout ce qui est douleur et compagnie, et que y a des moments où t'as juste envie de dire de la merde, allez, c'est bon. Ou t'espères, tu vois, ting, 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 et que la table, elle se fasse toute seule, et que les charges relativement lourdes se portent toutes seules, mais tout le monde était très satisfait, en tout cas, tout le monde était très content de ce réveillon, donc c'est la petite récompense, ça fait plaisir. Il se fait 3h35 ici, je vais couper là. Je sais pas si ce vlog va être en ligne à 8h. Je vais essayer. Là, j'ai pas sommeil. Hein. J'ai bien mal partout. J'ai pris ce qu'il fallait. La pression de ces derniers jours, de cette journée, de cette intensité en termes d'émotion redescend un petit peu. Donc, je profite, tu sais, du calme. J'ai mis le bordel du feu de cheminée pour apaiser un peu. J'ai pas envie de télé. J'ai pas envie de... Tu vois, du calme. Et puis... ça s'est fait. Alors, je vais clore le vlog ici parce que j'ai plus rien à dire. C'était pour dire rien du tout, mais je voulais vraiment inclure le petit morceau. Voilà, bien évidemment que j'ai pas filmé quand on était ensemble en train de discuter. Enfin, tu le sais, hein, y a des choses qui vont sur YouTube et d'autres un peu moins. Et les instants en famille, ça, de toute façon, j'ai pas envie que ma mère me fasse un procès. Donc, à partir de là, c'est tout de suite vu. Et puis, c'est tout. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et si vous regardez ce vlog aujourd'hui, le 25 décembre, joyeux Noël à tous. Des bisous.